dans cet épisode de Villas et demeures de luxe de l'élite hollywoodienne. Bienvenue, c'est l'entrée de notre Airbnb au Japon, je suis complètement perdu. On va dire que c'est le décalage horaire. Notre maison à Los Angeles, donc on est dans un quartier qui s'appelait Woodland Hills. Ça résonne de ouf, par contre, je suis désolé. Et c'est. Tu sais, c'est genre la maison typique hollywoodienne, enfin californienne des années 50-60, c'est mid-century comme ils appelleraient ça. Et il y a des trucs vraiment, c'est des trucs de films d'américains, on va dire. Et donc c'est très marrant. Je sais pas ce que je fais tout mon corps dans cet espace, pour avoir une chaussure à glisser horrible. Mais je vais vous faire visiter cette belle demeure qui nous sert de base pour ce périple américain. Voilà. Donc voilà, donc t'arrives ici. Petit piano pour faire des trucs comme ça. Voilà, je sais faire. Ça, c'est le lit de Fred. Fred a dormi là. Qu'est-ce que c'est? C'est un matelas sur un matelas gonflable. Ça, c'est un miroir. Regardez-moi, je suis rouge. Je vais me péter la gueule. Canapé. Je ne me suis pas assis une seule fois dans ce canapé. Je suis assis là. Ma basse. Code secret. Ensuite, les toilettes. Ce sont les toilettes. Regardez ça. Je suis américain et je vais aux toilettes. Et prince. Une table pour manger avec la plus grosse télé de table. La place de la flamme, c'est la cuisine. Je te fais des petits œufs avec du bacon. On mange très sain ici. Ouais, j'en ai mangé moi. Et après ils mettent du céleri, il y a un peu de dégueulasse. Si, il était ouvert. On va pas me la faire. Une PlayStation 5, mais il n'y a pas de jeu, donc on n'a pas joué. Encore une grosse télé. Un canapé, c'était le lit de Jonathan. Jonathan était allongé là, imagine-le. Bravo. Il y a des miroirs partout. Bon, d'un côté, on s'est dit... On pense que cette maison a servi à faire des films un peu érotiques. Sûrement, à une époque. Voilà la piscine. Waouh, la piscine. La piscine avec le jacuzzi. Et son petit robot. Alors, toute la semaine, on n'a pas compris comment faire tourner le robot, comment faire marcher ça et ces trucs-là. Et ça, en fait, ça se décide tout seul. Genre, on n'a jamais réussi. C'est pas nous. Ça, c'est la vue. La vue. Oh, c'est beau. Ensuite, on est où? Ouais. C'est là qu'on mangeait, en fait on mangeait tous les jours dehors, tous les soirs dehors on va dire, ce sera plus simple. Donc t'as une zone de grill ici, mais t'as aussi un grill qui est là, donc en fait tu peux faire genre 3 barbecues en même temps, c'est pas mal. Nous on a bouffé ici, ça et ça, va falloir que je le ramène dans la cuisine, ok. Ensuite, jacuzzi, on a passé du temps, on a fait du jacuzzi. Voilà la maison de l'extérieur, enfin de derrière. Ma chambre est-elle là-bas? Donc on va aller voir ma chambre. La piscine, je me suis baigné une fois. Avant d'aller dans le jacuzzi. Pour avoir la différence de température. Tu repasses par ici. Tiens. Non, porte d'entrée. C'est pas un peu peur. Ici, c'était ma broche. Là, il y avait le matelas de Fred. Mais Fred, il a pas aimé le bruit. Parce que juste derrière ce mur, il y a le climatiseur de toute la maison. Et ça fait énormément de bruit. Et Fred, il n'est pas d'accord. Ah, ce qui est cool dans cette maison, c'est qu'ils ont gardé plein de vieux trucs. Ça, c'est un interphone que tu utilises dans la maison. Ma valise était là. Voilà, ça t'intéresse.
C'est cool. Hein. Le trône. Le trône. J'ai posé mon petit cucu là. Je fais caca. Ça, c'était la douche. Ça, tu verras bientôt. Ensuite. Voici où j'ai lavé mes affaires. Comme ça, j'ai pas à le faire quand je rentre chez moi. Je fais toujours ça. Là, il y a notre camion. Notre camion. Notre 4x4 Ford Expédition. Ensuite. La cave à vin. On n'a pas de vin. Mais la cave à vin a son propre petit climatiseur. C'est vraiment l'Amérique. Ensuite, le garage. Avec sa machine Mortal Kombat, que j'ai allumée à peu près à 5 secondes. Et voilà. Comme une machine à laver. Je sais pas pourquoi ils en ont deux. Mais bon, on va pas trop poser de questions non plus. Ça c'est en bas. Attends, j'arrête pas les lumières quand même. Hop. Coach, être pas rangé, surtout. C'est les chambres des gars. Là je crois que c'est des mousses. Là, c'était Rafa. Là, c'était la salle de bain. Ça, c'est Yann Orto. Et voilà la dernière chambre. Yann Orto, il était bien servi. Faut qu'il ouvre, il oublie sa veste, quand même. N'oublie pas ta veste. Veste V. Astrid, j'ai mangé du carotte cake. Je vais vous poser une question. C'est moi, Jimmy, tu me reconnais, j'étais dans la vidéo juste avant. Alors si tu peux liker la vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Si tu peux me laisser un commentaire et me discuter avec moi, c'est encore plus cool. Mais si surtout, regarde ce qu'on va faire. On est arrivé, regarde, c'est le chiffre actuel de mes abonnés de ma chaîne. Je ne le connais pas parce qu'il change tout le temps. Mais regarde-le, il est beau, il est génial, super. Mais ce qu'on pourrait faire surtout, c'est regarde celui-ci. Celui-ci est encore plus grand, il est encore plus beau, il est plus musclé. Je le veux. Ah, essayons d'arriver ici. Ce que tu fais, invite tes copains à venir voir mes vidéos, partage-les sur les réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut.